Va le chercher. Oui, sors là, vas-y. Oui. Vas-y, va le chercher. Vas-y, va le chercher. Va le chercher. Faut prendre ça dur un petit peu. Oui. Oui, bravo! Bravo, ma petite fille! Oui! Bravo! Allô, tout le monde! Bon matin! J'espère que vous allez bien! Lucas! J'espère que vous allez bien! Nous, ça va bien ici. C'est ça, mon père, j'ai pas donné une nouvelle hier parce que je n'ai pas eu. Ben, je l'ai eu très tard finalement. Puis, il s'est fait opérer plus tard que prévu. Il était supposé se faire opérer à midi. Et quand, finalement, je pense qu'il est allé vers 3 heures en salle d'opération, puis il est sorti de là, il était 6 heures, fait que c'est pour ça que finalement, moi, j'avais pris du temps, j'avais des nouvelles. Mais là, ça n'est pas plus, je sais pas comment il va aujourd'hui, je vais essayer de l'appeler à sa chambre pour avoir des nouvelles, je sais même pas si il va être capable de parler, tout, tu sais qu'il va être capable de prendre le téléphone. En tout cas, ma mère va sûrement être là, mais je vais appeler tantôt pour avoir des nouvelles, je vous le redirai. Puis mon chum, il a pas réussi encore à réparer l'auto, il a passé la veille encore dessus. Ben, jusqu'à 9h, elle était fatiguée après ça. Fait que l'auto est toujours pas réparée. Fait que c'est tellement hâte qu'elle soit réparée. À part ça, ben, c'est un matin que ça va bien ici. À part ça, tout va bien ici. Lucas, c'est son dernier jour d'antibiotique. On est content. Fait que là, il y a le prématin qui reste. Demain, il n'y en a plus. Demain, il n'y en a pas. Fait que là, il reste juste à soir. Alors, dis-tu peux, après ça, c'est fini l'antibiotique. Fait que, je suis contente, ça va faire ça de moi passer dans la journée. Mais bon, je continue l'eau salée, puis la cortisone dans le nez qu'on envoie. Puis Katou est là. Petite Katou est ici. Allô, Katou! Allô, Katou! Hey, bon matin, Katou! Dis-tu bye-bye? Dis salut! Salut! Hey, salut! Salut, t'as envie de rire! Salut! Mais salut! Oui! Toute fille! Ouais, j'arrive! On va aller voir ça! Wow! Il va être beau! Allô, Sam! Bon matin! Comment ça va? T'es très jolie! T'as des beaux cheveux! T'as quoi de prévu aujourd'hui? Pas à l'école. Je sais, mais y a-tu des examens prévus? Des activités prévues? Au cégep, puis quand il n'y a plus vraiment d'activités comme nous autres, c'est pas pareil. Hein? Fait que c'est ça, en tout cas, je vous rejoins tantôt. Fait que bonne journée! Salut! Hey, c'est ça, en sortant mes enfants de Saint-Valentin, hier, j'ai trouvé des vieux bricolages que j'avais quand j'avais fait avec la garderie. Regardez, j'avais dessiné ce contour de chat-là, mais eux autres, ils allaient coller les petits brillants, les rubans. Puis après ça, moi, j'avais écrit un mot. Non, c'est pas vrai. Eux autres, ils me disaient d'écrire le mot qu'ils voulaient. Non, moi, je l'écrivais, mais après ça, ils signaient. J'ai pratiqué à signer le nom. Ça, c'était Maddy qui avait fait ça, là. Trop drôle. Ah, ça va être drôle de... Le Lucas aimerait ça m'en faire, justement. Mais là, j'ai besoin des ciseaux, pis ils sont là. Salut, c'est ça, je viens pour donner des nouvelles, je viens d'en avoir. C'est ça, mon père, c'est ça, c'est finalement, à un moment donné, il se demandait si c'était pour être opéré hier dans la journée, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de difficultés avec son pouls. Il paraît que son pouls, il était juste à 160, puis il se demandait vraiment s'il était pour l'opérer, parce que, tu sais, pour ses doigts, quand même, pour le cœur, là... Fait que là, ils se demandent c'est quoi qu'il y avait. Finalement, ils l'ont surveillé, puis ils l'ont opéré. C'est pour ça qu'il a été finalement à 3h, puis il est sorti de là vers 6h30. Puis même après, il avait de la misère encore avec son pouls, là. Fait que même à un moment donné, on dit laissez-le tranquille, là, c'est pas de visite dans la chambre. Fait que, il avait de la misère encore avec son pouls. Là, matin, dans le fond, il est branché directement avec le bureau de pour voir si son pouls descend trop quelque chose, là. Fait que, là, on va être surveillé de près aujourd'hui pour ça. Comme ça, il paraît qu'elle n'avait pas de douleur parce qu'il était encore vraiment, vraiment gelé.
Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ma mère, c'est quelque chose aussi pour ma mère, parce que, tu sais, elle n'est pas habituée, là, de dormir sans mon père. Ils dorment tout le temps ensemble, ils ne sont jamais séparés. Fait que, je dis à maman, j'ai dit, ouais, tu t'as pas bien dormi non plus, là, c'est ça. Elle dit, non. C'est ça, c'est son. Fait que, c'est ça. J'espère que ça va aller mieux pour mon papa, que c'est toujours plate. Mais mon père, il était beaucoup malade depuis le mois d'octobre. Tu sais, pour 3 doses d'antibiotiques aussi, fait que c'est sûr que ça l'affaiblit, là. Tu sais, mon père a quand même 76 ans, là. Fait que, c'est ça. En tout cas, si je vous le courant de la journée, je vous le dis. Fait que là, j'ai habillé ma petite gâteau, la préparer pour l'école. Fait que c'est ça, je vous rejoins tantôt. Bye! Salut! Là, c'est ça, je vais rejouer avec Katia. Tantôt, je l'ai faite, mais là, je vais la refaire. Je vais cacher son gobelet encore pour qu'elle pratique à le chercher, puis à utiliser ses 2 mains. On va voir. Là, je vais le mettre ici. Un gâteau gobelet? Tu veux le gobelet? Tu veux le gobelet? Ouais. Maman va le cacher. Regarde, je l'ai mis ici. Je le cache. C'est trop facile. Ouais, bravo. Ouais, fait que là, j'ai mis l'obstacle un peu plus difficile. Yo, le gobelet, Catou. Gars, il est ici. Coucou. Va chercher. Ouais, vas-y. Quand voyait, elle abandonne vite, ça, c'est ça. Gars. Gars, Katia. Voyons, il est où? Mais maman, je sais plus. T'es ici. Yeah. Coucou, va chercher. Vas-y, sors là. Difficile, hein? Ouais. Tu veux. Regarde, Katou, il est ici. Attends, c'est ça, la gars. Il est ici. Regarde. Coucou! Ah, on va le chercher! Ouais, vas-y, tu l'as! Vas-y! Ouais! Bravo! T'as réussi! Bravo, ma fille! Bravo! Maman est contente! Ouais, bravo. Vas-y, sors là. Vas-y, coucou. Oh, le gobelet. Ouais, t'es trop bonne. Bravo. T'es bonne, ma fille. Je suis contente. C'est une des belles activités que je peux faire avec elle qui garde son attention. Le gobelet, là. C'est tellement précieux pour nous autres, là. Ça l'a fait beaucoup avancer. Tu sais, c'est une des belles activités que je peux faire avec elle, là. Puis, tu sais, la pratique, la permanence de l'objet, la motricité fine. Des fois, qu'elle essaie de prendre son main, vous voyez, elle essaie juste de prendre une main. Mais y a des situations qu'elle n'a pas le choix, qu'elle essaie de prendre son autre main. Fait que, tu sais, moi, il y a beaucoup d'activités que je peux faire avec ma petite gâteau. Fait que, là, je suis contente. Mais c'est sûr, si on essaierait de cacher d'autres choses, elle ne chercherait pas, là. C'est vraiment quelques gobelets qu'on essaie de garder l'attention, là. Mais c'est ça. Je suis tellement contente. Je l'aime, ma petite gâteau. Je suis fière. Bravo, ma petite gâteau d'amour. Bravo. Ouais. Salut. Katia vient de partir. Puis, mon Dieu, que j'ai eu chaud encore à la sortie dehors. J'ai tellement eu chaud déjà que j'ai eu de la misère à la rendre à la porte. Puis après ça, j'ai eu de la misère à la rendre au taxi. Ça descend les marches, plutôt. Ça, c'est ça qui attire, je trouve plate. Parce que des journées, ça va super bien qu'on perd d'autres journées, là. Quand on perd pas, puis qu'on rush, là, on force après, là. Puis, justement, c'est drôle parce que, tu sais, c'est ça, vous savez, vous êtes au courant qu'avec le père, ça l'a vraiment, mais vraiment mal été qu'on les a abandonnés, justement, parce qu'ils imposaient leur adaptation, puis qu'ils ne respectaient pas les besoins de ma fille. Puis, ça fait 3 ans qu'on était avec eux autres, puis on voyait pas l'heure, parce que. Finalement, ça démarrait, les Renault. Fait que là, on avait abandonné ça. Tu sais, par la suite, on a des bonnes nouvelles, puis ça a bien déboulé, tout ça. Mais là, la poussière a tombé, puis là, à un moment donné, on s'est mis à penser, on s'est dit, pourquoi ils perdent? Ils pourraient pas juste nous aider pour la plateforme, finalement, parce qu'eux autres, ils englobaient le projet au complet, puis ça ne fonctionnait plus. Mais là, on s'est dit, pourquoi ils pourraient pas juste nous aider pour la plateforme?
Fait que là, je me suis renseignée. Mais là, ça, c'était avant les fêtes. C'était quelques semaines avant les fêtes. Là, aujourd'hui, le Kevin, l'ergo du pape, dans le dossier Katia, justement, ben là, il m'a rappelé parce que là, il m'a dit que finalement, le pape pourrait nous aider pour ça. C'est sûr qu'eux autres, leur premier. Eux autres, qu'est-ce qu'ils proposent en premier plan, c'est vraiment la rampe d'accès de 50 pieds qui part par en arrière, pour passer par en arrière, tu sais, qui passe sur le côté qui sera en avant. C'est ça, ces autres, c'est leur première option. Mais on a le droit de la refuser, qu'ils nous disaient. Si on la refuse, ben là, ça tombe d'un projet personnel. Puis là, le pad pourrait payer pour la plateforme. Là, il resterait qu'ils viennent nous rencontrer avec le mandataire pour voir tout ça. Puis sur le coup, moi, après ça, mon chum, on avait pensé, on a dit, mais ça, il nous avait dit qu'il voulait changer la porte d'entrée. Puis ça, on était comme pas prêt à, parce que c'est de la brique qu'on a en avant, c'est la porte d'allô, ça coûtait trop cher. Puis on était pas prêt, après ça, on se dit, on n'est pas prêt non plus, par exemple, à changer la porte d'entrée puis tout, là. Fait que, parce que, tu sais, si on n'est pas avec le pad, mais c'est ça qui niaise, je sais pas si ça allait me suivre, là. Mais si on n'était pas avec le pad, on avait d'autres prendre une plateforme usagée. Ça devient moins cher, tu sais, usagée. Dans le fond, nous, ça vaut à peu près 16 000. L'usager, tu peux en avoir à 4-5 000 environ avec, mettons, l'installation, tout, le ciment qu'il faut, la base de ciment. Ça monte à peu près 8 000. Mais le pad exige une neuve. Fait que là, la personne se disait, ouais, mais s'il faut qu'on change la porte, puis tout, à cause que le pad, il l'exige, c'est leur exigence. Mais là, il me disait, tantôt au téléphone, qu'il paraît que notre porte serait correcte, qu'on n'a pas besoin de la changer. Fait que là, il faudrait qu'il vienne nous rencontrer, nous expliquer ça comme il faut. Fait que là, il y avait une ouverture que sûrement le pad, finalement, pourrait peut-être nous aider pour la plateforme élévatrice d'art ou la galerie. Fait que c'est une bonne nouvelle en soi, mais je suis tellement réticente avec eux autres à ce temps, j'ai tellement eu des mauvaises surprises, des déceptions, que j'ose pas trop encore. En fait, j'ai peur, pareil, me semble, de rembarquer avec eux autres. Je sais pas comment vous dire ça, là. J'ai peur encore de vivre des déceptions, d'être frustrée par eux autres, tout ça. Fait que là, je sais plus trop. Mais là, je viens de parler à mon chum, mon chum dit, gars, t'engages, j'arrive à prendre une rencontre comme c'est là, puis après ça, on verra. Oh, fait que là, je l'ai soufflé. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je pense qu'on va prendre un rendez-vous pareil, qui vient nous voir, nous expliquer le tout, là. Mais de toute façon, nous, on n'est pas encore en deux non plus. On va finir les rénaux en dedans, avant. Fait que c'est ça. Puis là, je voulais vous dire, j'ai fini le livre à table! C'est ça, pour les nouveaux abonnés qui ne savent pas, c'est que ma grand-fille, elle écrit un roman. Puis c'est vraiment fantastique, avec une petite histoire d'amour. Puis elle a fini de, j'ai fini de le lire hier soir, puis c'est vraiment bon, puis c'est ça qu'il y a une suite, fait que là, elle nous laisse en suspense, ça fait que t'as le goût de lire la suite, le prochain livre, mais c'est tellement bon, je trouve tellement qu'elle est bonne pour décrire les lieux, les personnages, les actions, les sentiments, elle met plein de mots pour décrire, je la trouve bonne, là, en tout cas, puis moi, c'est pas mon style de lire d'habitude des romans fantastiques, puis j'embarquais dedans, là, vraiment. Fait que je suis fière, j'espère vraiment qu'elle va réussir à le publier, je serais vraiment contente pour elle, parce que c'est un de ses rêves. Puis là, je l'ai lu, puis je trouve qu'il vaut la peine d'être connu, vraiment, là, j'ai vraiment aimé. Fait que c'est ça! Fait que je vais laisser là-dessus, je vais aller faire mes tâches, comme parler, lire, tout ça, fait que je vous reparle plus tard. Bye bye! Salut! C'est ça, là, j'ai décidé de faire un gâteau, monsieur, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, là. Ça, c'est un dessert de souvenirs d'enfance, dans le fond, que ma mère faisait, puis j'aimais vraiment ça. Quand elle faisait ça, j'étais heureuse, puis c'est vraiment bon. Puis il y a des fruits, tu sais, la salade de fruits dans cette recette-là. Fait que, je sais pas pourquoi, mais attends, j'ai dit, ah, je vais faire ça, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est vraiment, hey, Pam, ça doit faire combien de temps que j'ai pas fait ça? Ah, ça doit être au moins plus qu'un an, là, pour moi. En tout cas, fait que là, j'ai goût de faire ça, j'ai tout ce qu'il faut. Fait que je vais faire ça. Puis, c'est pas compliqué, en tout cas, je vais vous donner la recette de Vivois comme ça, là. C'est ça, c'est gâteau monsieur. Il faut une boîte de salade de fruits 10-11, 3 quarts de tasse de sucre, un œuf battu, une tasse de farine, une cuillerée de soda, puis une cuillerée de poudre à pâte, encore assez de cuillère à thé de sel. Là, tu mélanges le tout, tu fais cuire au four à 325 pendant 50 minutes. Il faut que tu graisses le moule, là aussi, c'est sûr. Puis après ça, c'est la garniture, faut que tu fasses, qui est bonne. Ça rentre tout dans le gâteau chaud, là, puis c'est tellement bon, là. La garniture, c'est un quart de tasse de margarine, une demi-tasse de crème, puis une demi-tasse de cassonade. Tu fais bouillir ça une minute, puis après ça, tu mets sur le gâteau chaud. Fait que je vais partir ça.
là, c'est ça, mon gâteau est au four. Puis là, je viens de préparer la sauce qu'il faut mettre sur le dessus. Dans le fond, ça, j'ai mis une demi-tasse de crème, une demi-tasse de cassonade, puis un quart de tasse de margarine. Puis là, à peu près, avant la fin de la cuisson du gâteau, je vais faire bouillir ça 5 minutes. Puis après ça, quand le gâteau il sort, je le mets sur le gâteau chaud. Bon, c'est ça, regarde, mon gâteau est sorti. Ça donne ça. Sorti du four. Là, la sauce, elle bouille. Puis là, je vais le mettre sur le gâteau, là. Ça donne avec la sauce. Ça donne avec la sauce. Puis c'est le fun parce qu'il va être juste bon pour le dîner justement. Parce que on dit à peu près dans 10 minutes, mais tu le temps qu'on mange, il va refroidir un peu aussi. Et qu'il va être juste parfait, la température parfaite. Et ça va être bon. Salut! C'est rendu 2h30. Cato vient d'arriver! Allô, Cato! Elle est en train de prendre son gobelet, mais il paraît qu'aujourd'hui elle est en feu. Il paraît même qu'elle courait à l'école, mais qu'elle frappait beaucoup, par exemple. Fait que je sais pas qu'est-ce que là, la petite fille. Mais ça devait être drôle d'avoir couru. Parce que des fois, tout ça, elle se met à courir ici. C'est drôle. Puis, le père est parti se faire couper les cheveux. Après-midi, je fais toutes sortes de choses. J'ai rempli la feuille de répit. Après ça, j'ai passé le balai, en tout cas, des affaires de même. Puis, le gâteau était bon, il était vraiment bon. Puis c'est ça. Fait que là, je vais appeler mon papa, je vais voir comment ça va aujourd'hui. Je vais essayer de l'appeler à l'hôpital, je sais pas si je vais réussir à la rejoindre, mais là, pour là, c'est ça que je veux faire. Fait que, je vous reviens tantôt. Salut! Donc, on a la vie, justement, comme je vous disais ça, qu'elle était partie à quoi? Waouh! Elle en a enlevé beaucoup. Mais on en a beaucoup. Ben, ils ont l'air toutes en santé, toutes fournies, toutes. Ouais, est-ce que je voulais? Est-ce que c'est beau? Puis la marche, as-tu bien été? Ouais. Ouais? C'était pas glissant? Puis, tu veux-tu la former pour les mèches? Non. Non? J'ai blessé le gros tambour. Ah, ouais, ouais? Là, tu as bien utilisé ton certificat cadeau? Ouais. Puis, t'as-tu laissé d'ici? Ouais. Ok, c'est beau. Mon dame, je vais voir ton champagne. Ça devait être pas fait. Ouais, c'est dit, mes cheveux sont secs et ça devrait être pour les volumes. Ouais, c'est comme ça. Joaco, shampoing pour le corps et volume. C'est ça qu'elle s'est acheté. C'était cher, peut-être? Ah ouais, mais ils sont pas longtemps, par exemple. Ouais, c'est qu'elle dit que. Ah, c'est pas pire. Pour shampoing pour du corps et volume. Fait que là, c'est ça, j'appelle grand-papa. J'appelle grand-papa. Salut! C'est ça, j'ai d'appeler à l'hôpital. J'ai réussi à parler à ma mère, qui était là à la chambre avec mon papa. Puis ça allait un petit peu mieux. Là, son pouls était 126-130. Mais tu sais, c'était quand même encore haut parce que la normale, c'est supposé être 90. Fait que, puis tu sais, il arrive à 160. Là, le chirurgien, ben, le médecin. Voyons, comment on appelle ça? Ben, le monsieur du. Voyons, pareil, on appelle ça celui qui est pour le cœur. C'est ça que je cherchais. La femme qui me l'a dit, cardiologue, ben ça, il est passé, puis ça, il a dit à mon père que s'il avait continué à battre à 160, il aurait changé de département, il n'aurait pas resté là. Fait que là, au moins, tu sais, c'est stable à 126-130. Là, il paraît qu'il ne ressent pas de douleur. En tout cas, ma mère a dit qu'il ne se plaint pas, sauf qu'il ne veut pas se lever, puis il a demandé d'avoir des sondes pour ne pas avoir à se lever pour rien, là. Fait que c'est ça les nouvelles pour là. Fait que il a mangé, il a dîné, il a déjeuné, fait qu'il mange quand même, il prend ses repas. Fait que c'était ça, ben c'est ça l'opération, je sais pas si vous saviez, c'est ça, c'est parce que il met une prothèse dans son genou. Il avait des grosses douleurs au genou, c'est ça, fait que là, il enlève tout dans le fond, puis il mettait une prothèse. Fait que ça, c'est comme si avoir un genou neuf, dans le fond. Fait que c'est ça l'opération. Fait que je vous laisse là-dessus. Allô, il est 4h-10. Là, je suis tellement déçue. Regardez, j'ai allumé mes décorations. Là, j'ai mon set ici, il allume déjà plus. J'ai un set sur deux qui allume plus. Là, je suis tellement déçue. J'ai fait ça hier, déjà aujourd'hui, il y a un set qui allume pas. Ça me frustre.
que ça c'est tout pareil. Là, en plus, j'avais même pas fini encore. J'avais des affaires à faire, mais regarde, je vois, il y a une bouquin. En tout cas, là, Lucas est venu de l'école, puis. Il est parti de ça, je vois, on voit à Smash Bros. À oui. Smash Bros. Oui. Là, moi, c'est parti. Je vais préparer le souper. Fait que là, je suis en train de faire un macaroni crème de champignons. Puis, c'est vraiment bon. J'ai pris ça sur le pot allemand, justement. Mais là, elle n'est pas dessus. Là, puis, ça fait longtemps que j'ai ça, cette recette-là. C'est bon. J'accompagne ça avec la viande assaisonnée. Ça, j'ai trois paquets. C'est la nière de porc assaisonnée. Ça va être ça, je vais te faire une salade avec ça. Puis qu'elle tourne, elle est chialeuse. Vraiment chialeuse. Ouais. Puis Pamela est à l'ordi, puis elle prépare, fait la finition pour son livre, là. Le résumé. Ouais, ça fait un gros résumé, puis synopsis, c'est ça? Résumé, en tout cas, elle travaille là-dessus pour pouvoir bientôt l'envoyer. Fait que là, je continue le souper. Salut. Bon. Voilà ce que ça donne mon macaroni, mais là, il restera à le mettre au four pour faire fondre le fromage. Mais là, moi, Katia, là, c'est déjà chaud pareil, là. Fait que moi, Katia, je vais en faire manger tout de suite. J'espère qu'elle va manger. Tantôt, j'ai contente de manger une beurre Nutella pour collation. Fait que ça a été une bonne collation. Mais à midi à l'école, elle a pas dîné. Ben, elle a pas dîné son menu principal. Elle a pas mangé son menu principal. Mais après, il y a un gruyot. Fait qu'au moins, elle a pris ça. Hey, il y a du beau soleil, là. Hey, le soleil dans ma tête, ça, c'est l'enfer. En tout cas, fait que j'en sais pas manger Katia. T'inquiète. Katia, tu veux-tu ton gobelet? Tu ton gobelet? Veux-tu ton gobelet? Fais donne. 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 Ouais. Bon, maman va le cacher ici. Tiens. Sors-le. Il est où le gobelet? Viu? Yeah. Coucou! Ah. Vas-y, sors-le! Vas-y, vas-y, t'es capable! Oui, 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 oui! Oui, vas-y! Oui, oui! Ouais! Elle réussit, bravo! Ouais! Tu travaillais fort, hein? Ouais! Salut tout le monde! Le café est en bain. Elle prend son bain, ma petite minoune. Mon chum, il travaille dans le garage encore fait l'auto. En espérant que là, il réussisse à la réparer. Parce que là, ça fait quoi, 3 semaines, 1 mois qu'on n'a plus d'auto, là? J'ai hâte. Puis, Lucas a fini son antibiotique! Je suis vraiment contente. On a vu ça penser. Puis, Katia, ben ça, pour souper, elle a mangé son plat. C'est vrai, je devais vous dire ça. Elle a mangé, ben pas tout, pas au complet, mais quand même son pays. Je dirais pas encore. Pas encore du tout à le manger. Puis, le gâteau, monsieur, je lui donne une bouchée, ben elle a tout à cracher. Ça, ça n'a pas passé au conseil. Elle a pas mis ça. Mais là, je capote, c'est ça. Je la déshabille en bas, dans sa chambre en bas. Là, j'avais laissé sa couche et son tas. Là, je disais, Katia, monte en haut, on va prendre ton bain. Fait que là, moi, en attendant, là, je vois qu'elle part. Mais moi, je ramasse son bain, je peux l'amener au lavage. Là, je dis, voyons, elle va-tu, elle monte-tu là? Et partout, elle est montée toute seule, elle se renverse à deux bains. Ça serait tout le temps de moi, ça serait capoté, là. Mais c'est ça, c'est pas tout le temps de moi. Mais là, je suis tellement contente. Je disais, en fait, on dirait qu'elle comprend de plus en plus des choses, là. On dirait que. Là, je sais pas, là, je capote. Fait que c'est ça que j'allais vous raconter. Fait que je m'invite à me prendre un verre, ça va être plus calme, pis c'est ça. Fait que je vais sortir. Salut! Katia est dans le bain! Oui, oui, oui! Yo, on est. Hein? Yo! Salut! Ouais. Comment ça va? C'est pas ça. Ça va? Et comment t'aimes ça à l'école? Ça dépend, hein? Ça dépend quoi? Ça dépend de chez qui, ça dépend de quoi. C'est la pratique, t'as moyen. Hein? Ça travaille pas à toi? Non. Là, tu qu'est-ce que tu regardes? Ah! Oh. N'est que sa passion. C'est ça, c'est là, là. Hein? Ah oui.
Qu'est-ce que tu trouvais fun de regarder ça? Le temps, je sais pas. Non. Aïe, c'est ça. Il va falloir que tu fasses la vaisselle. Hein? Ok. Puis, tu racontes ça un peu, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Je sais rien. Tu as commencé une petite diète? Ouais. Je voyais de la chose, c'est que je me levais sur une nuit. Non, mais quand même, si tu te forces à mieux manger, hein, pareil? Ouais. Ben, tu te forces. Tu manges plus de fruits, des œufs. Je mange du poisson, supposément, mais j'en ai pas encore fait ça. Ah, là, tu pourrais en faire que, justement. Ouais. Tu prenais ça. Je vais faire plus de la vaisselle à la vue, tu vois. Ouais. Mais là, c'est congé, c'est pas grave, ça se gaspille pas. Ouais. Fait que c'est ça. Tu nous regardes pas un peu? Non. Hey, ton oeil, c'est correct? Oui, c'est vraiment un peu. Cool. Hein? Bon, on est, c'est ma paupière. Ouais, moi, ça, c'est ton bouton, sa paupière est parti, là. Non, mais il est moins beau. Ok, bon. C'est le bonbon. Ça, c'est que Nick avait un genre de. C'est pas tout ce qu'il y avait au l'œil, là. On a commencé à se demander. Mais là, il a l'air de prendre du mieux, là. Salut! Là, il est rendu à peu près 7 heures. J'ai d'aller coucher Katia. Puis, Ah, ça, Lucas! Coucou, Lucas! Bon. Tu partais pour dire bon matin. C'est ça, j'ai réalisé que. Wow! Bonsoir, papa, copine! C'est ça, je réalisais que Lucas, ça, il n'y avait même pas encore parlé aujourd'hui, vous ne l'aviez pas vu. Ben, il me semble que non, en tout cas. Fait que là, c'est pour ça que lui partait pour dire bon matin. Pour lui, c'était comme si c'était la première fois qu'il vous parlait, puis c'était le matin, c'est drôle. Fait que là, c'est ça, on vient vous dire un beau bonne nuit. Hein, Lucas? Alors? Puis là, c'est Lucas, il dort toujours en bobette, hein, il aime ça. Ça fait 3 nuits qu'il dort en bobette. Ben, en bobette, en tout cas. C'est pas des bobettes. Désolé, là, c'est parce que mon petit gars est en train de faire des niaiseries. Fait que là, j'ai coupé ça aussi. Désolé. Oh, j'entends le armor! Pour moi, l'auto est pareil! Parce que là, j'entends mon chien ouvrir la porte du garage, puis pour moi, il va la tester! Lucas, on va pouvoir faire se promener. Fait que, peut-être qu'on va le prendre une ride, finalement, on va relever Katia. Mais là, je sais plus où je voulais dire. Puis après, on va aller patiner à l'arène. Non, là, il est trop tard. Fait que, ben là, ça, je voulais conclure le vlog. Justement, on va s'en parler demain. J'espère que vous avez aimé encore notre journée, même si c'était des journées de semaine, là, il se passe pas grand-chose. Merci d'être là, vraiment. Laissez des commentaires, ça me touche tellement, vous êtes gentils. Ça me fait plaisir de vous lire, puis de vous savoir avec nous, là, c'est le fun. Fait que, c'est ça, je vous dis un beau bon nuit. On se revoit demain. On sait même pas. Faites attention à vous, on vous aime fort. Bye! Bye! Je vous dis ça demain sur l'auto, finalement, on n'a pas allé se promener.